Ça, ici, puisqu'il est sur une chaise. Ah, pour l'opposer après. Oui, il a la table là, ça va. Oh. Shuddha Bhakta Sharanenu Pajanahanukula Shuddha Bhakta Sharanarenu Pajanahanukulam Bhakta Sevara Paramsidhim Premaratyakararamula Bhakata Seva Paramasiddhi Premalatikaramulam Madhavatiti Bhakti Janani Shatane Paranarakoli. Jatane Jaram. Krishna vashati boli paramahadare boli Gauramalaya shabarastane Stane Ram Sisabastana Bohami Pranayi Bhakatara Sange Ami Brindangavajasuneti mahana abhasarasadayashe Oravihitakitanasuni Anandelidoyananashe Goravihitakirtanasuni Naridoyanashe Yugaramutidekiyamola Paramahanandarahoya Prasade seva korita hoyam sakara prapanchaya Yedi nagrihe bhajana dehi ki grihete gora karabaya Eki lehite gola karabaya charane sido dikhaya ganga sukha nasime paya charane sido dikhaya ganga sukha nasime paya Tulasi deki chutaya prahana madhavatushani jani Tulasi deka duya madhavatushani jani Bhakti Vino Krishna Bhajano
Anukula Anukula Pratidivasa Paramasuke Vakarakayetaha Prativitvashe Paramasuke Shrikarakarayetaha Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Ramo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo Ramo, Ramo, Hare, Hare. Haribol, Haribol, Nithai Gaur, Haribol. Om Ha Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meritam Jena Taisme Shigula Venamaha. Namam Vishnu Padaya Golanga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhuraya Behebhoite Ramine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutari Srimad Bhakti Pramodaya Pudi Goswami Iti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutari Srimate Bhaktivedanta Swami iti namine. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhakti Pragyan Keshava Goswami iti namine. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhakti Dehita Madhava Goswami iti namine. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhakti Lakshaka Shiradev Goswami iti namine. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare
Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Chidamini Shri Brahma Dvagodya Sarasvati Sampadaya Ki Jai. Bon, je vois pas très bien ce matin. On va lire un verset, chapitre 6 de la Suite de Bhagavad Gita, verset 32. Atmopam yena sarvatram samampachati rochunam sukham vam yadivardukam sayogi paramamata. Ô Arjuna, celui qui, par la réalisation du soi, voit toutes les âmes comme égales à lui-même et qui considère leurs plaisirs et leurs souffrances comme leur, étant leurs siens, est le meilleur des yogis, telle est mon opinion. Commentaire. Selon Srila Vishvacharita Thakur, dans le stade de leur pratique spirituelle, les yogis doivent être disposés d'une façon égale envers tous les êtres. Dans ce verset, le Seigneur décrit les caractéristiques d'une telle équanimité. Dans tous les rapports avec les autres, le yogi voit tous les êtres comme lui-même, et il considère le bonheur et la souffrance des autres comme les siens. C'est pourquoi il est toujours le bienfaiteur de tous les êtres et agit pour leur bénéfice éternel. Or, la souffrance trouve sa cause dans l'ignorance, qui elle-même trouve sa source dans l'oubli de la relation éternelle de l'être avec Krishna. Celui qui atteint la réalisation de son lien éternel avec Dieu peut comprendre cela. Il œuvre alors inlassablement à faire comprendre aux âmes conditionnées que le seul moyen d'être libéré de la souffrance est de s'engager dans le service d'amour du Seigneur. Celui qui agit ainsi est, selon Krishna, le meilleur philanthrope et le meilleur des yogis. Des yogis. Yogi, ça veut dire être uni au Seigneur suprême. Et puisque le Seigneur a différents aspects, Brahman, Paramatma, Bhagavan, son aspect, sa radiance qui émane, qui est omniprésente, son aspect en tant que l'âme suprême qui est localisée dans le cœur de tous les êtres, et bien sûr l'origine du Brahman, du Paramatma qui est Bhagavan. Bhagavan, ça veut dire que l'origine de toute chose est la forme de Krishna. Krishna dit personnellement, Aham Sarvatra. Aham Sarvasatva. Je suis Ham. Je suis la source. C'est moi. Hein? C'est la finalité, en fait, la conclusion des Védas. Krishna a dit, le but des Védas est de me connaître. Telle est la conclusion des Védas. Hein? Donc là, Srila Vishvacharita Thakur explique que Krishna, dans ce verset-là, explique l'état d'esprit des yogis. Il ressent la souffrance des êtres comme lui-même et le bonheur des êtres comme lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà pour une chose, c'est que la souffrance égare les êtres et le bonheur égare les êtres. Quand on souffre, on ne peut pas comprendre notre réalité spirituelle, et quand on est heureux, on ne peut pas la comprendre non plus. C'est pour ça que on parle d'équanimité. Le yogi est équanime. C'est-à-dire qu'il n'est ni dans la souffrance, ni dans le bonheur. Mais il voit la souffrance et le bonheur comme deux illusions, comme la dualité. C'est pour ça qu'un dévot du Seigneur suprême, hey Ryan, fais pas cette tête-là. T'as pas dormi cette nuit? Si, hein? Parce que si tu fais cette tête-là, oulala, je me dis je vais pas rester ici. Ça ressemble un peu à, c'est une tête d'épouvante. On rigole, mais quand les gens viennent et qu'ils connaissent pas, ils disent, oh là là, t'as vu la tête qu'il a, le pauvre. Donc, la dualité aussi, c'est le sommeil. Ça veut dire que
Le mode de l'ignorance, le tamas, force l'être à dormir. Alors que la vertu, quand l'être entend les gloires de Krishna, il s'éveille. Mais quand on est dans l'ignorance, on dort. Tout est inversé. Pour ça, Krishna, dans la Gita, explique que pour un matérialiste, l'éveil du spiritualiste, c'est comme la nuit. Hein? Tout est inversé, en fait. Pour l'éveil d'un spiritualiste, pour un matérialiste, c'est la nuit. Et pour la nuit d'un spiritualiste, c'est l'éveil pour un matérialiste. Tout est inversé. De la même manière, dans le début du stade du service de dévotion, quand on entend sur Krishna, on dort. Quand on entend sur l'énergie matérielle, on est très éveillé. Par exemple, quand on critique les autres, etc., on est très éveillé. Quand on voit les fautes chez les autres, on est très éveillé. Quand on voit des qualités en nous, on est très éveillé. Mais quand on progresse spirituellement et qu'on s'éveille à cette attirance pour Krishna, alors quand on parle de Krishna, on devient très éveillé. Et quand on entend des critiques sur les autres, alors on devient endormi. Ça fait l'effet inverse. On se ferme à tout ce qui est de mauvais augure et on s'ouvre à tout ce qui peut nous épanouir. C'est très important à comprendre. Donc, le yogi, Krishna a dit, Yoginam api sarvesham. Le plus grand des yogis, c'est celui qui est uni à moi dans une relation d'amour. Parce que seul lui peut me comprendre. Pourquoi? Parce que, ultimement, personne ne peut comprendre Dieu. C'est impossible. Shilavishvaj Sraitakur, il explique que parce que le Seigneur suprême est au-delà de la nature matérielle, qu'il est Nirguna, parce qu'il est Nirguna, aucun mot peut le décrire. Ça veut dire notre langage à nous, ça ne peut pas le décrire. Notre alphabet ne peut pas le décrire. C'est impossible. Aucun mot matériel ne peut décrire le Seigneur suprême. Par exemple, on dit, le Seigneur suprême a des yeux pareils au lotus, des pieds pareils au lotus. Un habit jaune, par exemple, il joue de la flûte. Tribhangalalita, il est courbé en trois endroits, par exemple. Ça, c'est des descriptions avec des mots matériels. Et Vishvacharitaku, il dit, le Seigneur, il peut pas être décrit avec ces mots-là. Ces mots n'ont pas de puissance. Mais il dit, par sa puissance de sa miséricorde, il accepte ces mots comme une adoration. Et grâce à ces mots, on peut se faire une idée de lui, et alors il se donne graduellement à ses dévots. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Même Krishna est tellement miséricordieux que même par l'imagination, il vient à nous. C'est quand même incroyable. C'est la miséricorde suprême du Seigneur suprême. C'est-à-dire que même à travers ces mots, on va se faire une imagination de lui. Et même ça, il s'en sert pour venir à nous. Bien sûr, c'est pas de l'imagination. Toutes ces descriptions sont révélées par des acharyas. Ça veut dire que la vision qu'ils ont de Krishna, la relation qu'ils ont avec Krishna, ils la dépeignent avec les mots matériels. C'est ça qu'explique Vishvacharitaku. Ça veut dire que c'est pas descriptif parce que le Seigneur est illimité. C'est impossible de décrire la beauté du Seigneur. C'est impossible de décrire ses sentiments. Mais, il y a quand même une description qui est donnée par compassion, parce que le Seigneur l'accepte et se révèle de cette manière-là à son dévot. Or, cette révélation, bien sûr, elle se situe sur un plan plus élevé, un plan où l'être vivant peut, avec une conscience spirituelle et un corps spirituel, voir des choses qui sont illimitées. Et ça, Vishvacharitaku, il dit, c'est juste. La relation qui existe entre un être et Krishna. Krishna est illimité. Personne ne peut le décrire. Même lui, il connaît pas l'étendue de ses gloires. C'est expliqué qu'il y a Sheshanaga, qui est une manifestation du Seigneur suprême, qui a beaucoup de bouches, des milliers de bouches. Eh ben, même cette manifestation du Seigneur suprême, depuis un temps illimité, elle cherche à trouver une fin à ses gloires.
Elle s'est expliquée qu'il n'a jamais pu trouver une fin à ses gloires, et depuis l'éternité, il glorifie ses propres gloires. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, quoi. Pourquoi? Parce que le principe de l'absolu, c'est qu'il est toujours en expansion. Le Chaitanya-Charitamrita explique une chose, c'est que l'Adini Shakti, son énergie de plaisir, est manifestée en tant que Radharani. Radharani, c'est elle qui offre le service à Krishna. Elle est toujours subordonnée à Krishna. Et Krishna est celui qui accepte le service. Vous comprenez? Il est le Purusha suprême. Mais c'est expliqué que Radha est comme le miroir de Krishna. Et parce que elle offre l'adoration, elle reçoit sa douceur et son amour. Donc Radharani, comme elle reçoit la douceur et l'amour de Krishna, elle est toujours en expansion. Donc sa beauté et sa douceur est toujours plus merveilleuse. Jai Shishintai Vishvamba Shinanda Yashoda Gopal Jusidam Juk et Jai. Or, comme elle est le miroir de Krishna, quand Krishna y voit la beauté de Radharani, qui est une réflexion de sa propre douceur et son amour augmenté, son amour et sa douceur augmentent. Et quand Radharani, elle voit la douceur et l'amour de Krishna augmenter, elle augmente. Donc, il n'y a pas de limite et il y a un combat d'amour, hein, de cette manière-là, tous rivalisent ensemble. Mais puisque Radharani, elle est toujours prédominante parce qu'elle reçoit son amour et sa douceur, elle est la première à grandir, elle domine toujours Krishna de cette manière-là, en fait. Krishna est toujours subordonné à elle, il est conquis par son amour et sa douceur. Incroyable, hein? Donc ça, c'est pas possible d'expliquer ça avec des mots. Mais pourtant, Krishna accepte qu'on puisse le décrire pour qu'on puisse l'attirer et revenir utilement à lui. C'est pour ça que ces descriptions sont données. Par exemple, Vishvacharita Thakur, il explique des trois aspects de Krishna. L'aspect avec la forme, elle a un nom, des attributs, des divertissements. Mais le Brahman, lui, impersonnel, il n'a pas d'attributs. Il n'a pas de forme, il n'a pas de nom, il n'a pas d'activité, il est juste une radiance. Vous comprenez? Donc, aucun mot matériel ne peut décrire le Brahman, parce qu'il n'a pas de substance. Mais pourquoi on peut le décrire et pourquoi il a quand même une substance? Parce qu'il est la radiance du Seigneur suprême. Comme il est lié au corps du Seigneur suprême, alors on peut le décrire quand même de cette manière-là. Sans ça, il est indescriptible. C'est pour ça que la méditation sur le Brahman est quelque chose de très difficile et amer. C'est comme un fruit amer. Comprenez? Alors que la méditation sur le Seigneur suprême, c'est comme un fruit, comme une mangue bien mûre. Comprenez? C'est ça la différence. Donc les yogis, ils ont naturellement une compassion quand ils voient le bonheur et la souffrance des âmes conditionnées. On voit par exemple, le Seigneur se manifeste en tant que Vyasadeva. En tant qu'un Saktyavesh avatar, donc une personne mise en pouvoir par le Seigneur, pour écrire sous forme de manuscrits les écrits védiques, par exemple. On voit aussi que de tous ces écrits védiques, le Purana Immaculé, le Srimad Bhagavatam, est le suprême, parce qu'il décrit la forme du Seigneur suprême. Ses divertissements, son nom et ses attributs. C'est pour ça qu'il est considéré comme une substance complète. Alors que les autres écrits védiques, ils ne sont pas considérés au même niveau. Vishvanatha Charita Kur explique ça. Même la Bhagavad Gita. Parce que dans la Bhagavad Gita, le Seigneur révèle surtout son opulence, pas sa douceur. C'est pour ça qu'on considère que le Srimad Bhagavatam est supérieur
La Bhagavad Gita, c'est comme une base. C'est une base du palais de la Bhakti. Parce que si on ne comprend pas qu'on n'est pas ce corps, si on ne comprend pas que Dieu est une personne, si on ne comprend pas la nature de l'âme, la nature de l'action, du karma, du temps, des gunas, par exemple, qui sont les cinq sujets principaux de la Bhagavad Gita, alors on ne peut pas s'abandonner à Dieu. C'est pas possible. Donc, Vyasadeva, tu peux te lever si t'es fatigué, comme ça t'empêchera de voyager dans le mental. C'est difficile, je sais. Mais il faut se forcer un petit peu. Hein? Tu pourras te reposer un petit peu après. Donc, chez la Vyasadeva, il a décrit les divertissements du Seigneur suprême. Et ces divertissements, pour nous, ils sont très importants. Parce qu'à Vrindavan, il n'y a pas d'impureté. Dans le village de Krishna, il n'y a pas d'impureté. Dans la demeure de Krishna, il n'y a aucune impureté. C'est pour ça qu'on ne peut pas tomber. C'est impossible de tomber. Si on pense qu'il y a une impureté, c'est une conception Mayavada. Ça veut dire que l'énergie matérielle peut s'infiltrer dans la demeure du Seigneur suprême. Impossible. C'est une fausse conception. Aucun acharya supporte ça. Parce que si une impureté vient, ça veut dire que Maya s'infiltre. Comment Maya pourrait s'infiltrer puisque elle dit elle-même qu'elle reste loin du Seigneur suprême. Elle a honte. Le Seigneur peut jamais être, et ses associés, ils peuvent jamais être touchés par l'énergie matérielle. Même quand Arjuna vient sur la terre et qu'il paraît dans l'illusion, c'est Yoga Maya, l'illusion spirituelle, pas matérielle. Quand Jaya et Vijaya viennent dans ce monde, ils ont été maudits, qu'ils viennent entendre Hiranyakashipu ou Hiranyaksha, ils sont pas, comment dire, touchés par l'énergie matérielle. C'est les lilas de Krishna. Jamais un associé du Seigneur est touché par l'énergie matérielle. Ça, c'est la conception Mayavada. Attention. Jamais. On peut pas atteindre le succès, si on pense. C'est pas possible. Parce que on considère que les associés du Seigneur, ils sont juste minables, parce qu'ils peuvent se faire contaminer. Alors qu'ils sont des expansions directes de Radha et Krishna. C'est une très grande erreur de penser ça. Srila Bhaktivinoda Thakur explique que la Jiva Shakti, les âmes que nous sommes, ils sont pas au même niveau que les associés du Seigneur, parce que les associés du Seigneur émanent de la Chit Shakti, l'énergie interne de Krishna, pas la Jiva Shakti, c'est différent. Bhaktivinoda Thakur explique ça dans le Jivadharma clairement. C'est un tattva, une vérité différente. C'est très important à comprendre. Différente, séparée. Sauf qu'une fois que un jiva, par son service de dévotion, par la miséricorde, de la Chit Shakti, atteint la position d'un associé du Seigneur, alors il n'y a pas de différence. Comprenez? Mais il reste une différence quand l'âme reste marginale. Parce que sa Satchit Ananda, ça veut dire sa composition de l'âme, qui est l'éternité, la connaissance, la félicité, elle n'est pas en relation avec la Chit Shakti, l'énergie d'amour du Seigneur suprême, la connaissance du Seigneur suprême, hein, elle est en relation avec le Brahman, impersonnel. Donc c'est pour ça que quelqu'un, quand il médite, il peut simplement, maximum seul, aller à la conception du Brahman. Mais par la miséricorde de la Guru Varga, d'une Sampradaya authentique, alors on reçoit la connaissance et l'amour de Dieu qui éveille la nature éternelle de l'âme. Et cet atome, qui est le Jiva, qui n'est pas impersonnel, qui a quand même un corps, mais Bhaktivinoda Thakur, il explique, donc ça c'est des conceptions qui sont données, hein, pour qu'on puisse avoir, parce que c'est inconcevable, c'est des conceptions qui sont données, mais l'âme elle a quand même un corps. Mais c'est comme un corps qui n'est pas manifesté complètement. Il y a la puissance dedans. Par exemple, quelqu'un peut être un associé du Seigneur Krishna, un associé du Seigneur Ram, un associé du Seigneur Narayan. Il y a une puissance qui est dedans, mais elle n'est pas éclos, manifestée. Or, quand on se fait initier par un gourou authentique, il y a comme une fécondation, et si l'être vivant, il est sincère, alors il peut devenir réalisé et comprendre
ce potentiel qui se manifeste en lui comme une relation éternelle avec les associés du Seigneur et Radha et Krishna. C'est très important à comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin d'initiation. Sans ça, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Hein. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur explique dans la Krishna Samhita, qui est un livre très bien, il explique que différents asuras, démons, viennent perturber les divertissements à Boma Vrindavan. Ça veut dire quand Krishna se divertit dans un univers matériel, il y a différents démons qui viennent. Et ces démons-là, ils personnifient une chose mauvaise en nous, Ananartha. Chacun. Par exemple, Agasura, c'est le fait de faire du mal aux autres, de penser mal aux autres. Cette tendance qu'il y a en nous. Or, tant que cette tendance-là sera là, on ne peut pas entrer en Vrindavan, c'est pas possible. Donc, quand on médite sur un divertissement, ça enlève cette chose de notre cœur. Donc c'est pour ça que quand on fait japa, quand on chante les saints noms, on doit méditer sur les divertissements de Krishna avec les asuras. Parce que quand on va méditer comme ça, et que ça va se manifester en nous, alors cette chose indésirable va partir de nous. Et on va pouvoir être introduit dans ce monde transcendantal. Donc on va raconter ce petit épisode de Krishna. Un jour, Krishna, il désirait déjeuner avec ses amis. Alors, Krishna habite à Nandagram, et beaucoup de pâtres habitent à Varshan. Varshan, c'est la ville où Radharani est apparue, où son père Vrishabhanu et Kirtila habitent éternellement. Mais beaucoup de pâtres, comme Shridam, Subal, Sudam, Vasudam, Kinkini, etc., Adjuna, habitent à Varshan. Et Krishna, en fait, il souffle, ou Balaram, il souffle dans sa corne pour réveiller tous ses amis le matin. Parce que tous, les Sakas, ils dorment vers 10 heures du soir et ils se lèvent à 6 heures du matin. Pendant 8 heures, ils dorment et ils rêvent des divertissements de Krishna qu'ils ont fait la veille. Hein? Alors que les gopis rencontrent Krishna la nuit. Les pâtres dorment, en fait. Hein? Mais ils refont tous les divertissements qu'ils ont fait, tout pareil, en rêve, en fait. Hein? Donc, ils sont réveillés. Alors, leur mère vient, etc., pour s'occuper d'eux, etc. Donc, ils vont rejoindre Krishna. Et ce jour-là, donc, Krishna, il voulait faire un grand déjeuner, quoi. Et les mères, c'est d'expliquer qu'elles donnent un déjeuner à leurs enfants. Mais les enfants, ils partagent toujours avec Krishna. Ils goûtent, quand c'est bon, ils donnent, ah tiens, goûte Krishna, goûte Kana, c'est tellement bon. Et en fait, de cette manière-là, Krishna, il goûte le cœur des gopis. Parce qu'elles ont préparé, en fait. Leur amour est inconcevable pour Krishna. Et donc, elles préparent, elles donnent tout leur amour pour Krishna. Et Krishna, à travers ses amis, il goûte leur cœur. En fait. C'est pour ça que Krishna, quand il était plus petit, il volait le makan dans les maisons, comme ça, pour manger le cœur des gopis. En fait. Donc là, Krishna avait 5 ans. 5 ans. Et donc, il était parti avec les pâtres, avec les vaches. Et c'est expliqué qu'à Vrindavan, l'espace peut s'agrandir ou se rétrécir d'une manière illimitée. C'est comme un lotus vivant, vous savez. Quand Radharani veut aller dans un endroit ou Krishna veut aller dans un endroit, ça va très vite. Et de la même manière, quand Krishna il sort avec ses veaux, avec ses vaches, pardon, l'espace devient illimité parce qu'il a des vaches illimitées. Chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique 100 vaches, 1000 vaches, 10 000, 100 000, 1 million, 100 millions, 1 milliard. Quand on peut plus compter, ça veut dire un espace des nombres de vaches illimités. Et c'est expliqué que ce jour-là, Krishna est sorti avec un nombre de vaches illimité et la terre de Vrindavan s'est expandue d'une façon illimitée. Et il y avait tous ses associés qui venaient aussi avec des vaches. Des milliers d'associés. Milliards. On peut pas comprendre. C'est pas possible. C'est illimité. Et pourtant, bien que ça soit illimité, Krishna, tout le monde est avec lui. D'une manière intime. C'est inconcevable. Et en fait, Krishna prend des formes, s'expand pour être avec chacun de ses dévots, pour que chacun puisse goûter le bonheur d'être avec lui. Vous vous rendez compte? Un tel seigneur de l'amour. Et donc, Krishna, c'est expliqué que la terre de Vrindavan,
Elle est un arbre à souhait. Et tout à Vrindavan est merveilleux. Il n'y a pas la sensation du sommeil. Il n'y a pas la sensation de la fatigue. On peut danser toute la journée. On peut jouer toute la journée. On peut chanter toute la journée. On peut aimer toute la journée. Les insectes, le sol, l'herbe, les plantes, les arbres sont des êtres vivants. Les poignées de porte sont des êtres vivants. Tout est amour. Tout est Satchit Ananda Vigla. Tout est une personne. Et donc ce jour-là, Krishna, il dansait avec les vaches, avec les pâtres, en avançant comme ça. Et là, il y a une grande chose inhabituelle qui était sur la route. En fait, c'était un démon qui avait pris la forme d'un énorme python. Et tellement il était grand, il faisait des kilomètres. Python! Python. Et tellement il était grand, il touchait le ciel des nuages. Il avait des yeux rouges comme le feu. Et sa langue, elle était déroulée, elle faisait comme un tapis. Et il y avait une odeur de pourri qui sortait. On aurait dit c'était des cadavres qu'il avait mangés. C'était nauséabond. Et vraiment, il était horrible. Il avait des dents, c'était comme des cavernes. Et quand les pâtres, ils ont vu ça, ils se sont dit, waouh! Ils ont pensé au début, waouh, un espace de jeu merveilleux nous est offert. Mais après, ils ont commencé à réfléchir. On dirait un énorme python prêt à nous avaler. Donc, ils ont commencé à parler entre eux. Et il y en avait qui ont commencé à avoir peur. Hein, donc ça, c'est un divertissement du Seigneur, parce que la peur n'existe pas, mais elle peut se manifester pour amener une grandeur dans les divertissements du Seigneur, un embellissement d'amour. Hein, c'est très important à comprendre. Et là, les pâtres, ils ont dit, non, non, pourquoi vous vous sauvez? Krishna va nous sauver. Il a déjà tué Putana, Bakasura. Allons, allons-y, entrons dans sa bouche qui nous dévore. Krishna nous sauvera. Et ils sont rentrés en dansant avec leur flûte comme ça, en extase. Les pâtres et les vaches sont tous rentrés. Et Krishna, lui, il regardait. Il était. Alors, le Seigneur connaît tout du passé et du présent et du futur. Mais son énergie d'amour, par sa volonté, le met dans des situations pour qu'il soit éternellement dans des sentiments. Et là, il s'est dit. Il a commencé à avoir des larmes qui coulaient de ses yeux et se dire, ils ont tellement d'amour pour moi, tellement de confiance pour moi, qu'ils entrent dans la mort tellement joyeux. Et là, il s'est dit, comment je vais faire pour les sauver? Et donc, juste après qu'il soit rentré, Agasura, lui, il était, regardez, ah, il a tué ma sœur, Putana, et mon frère, Bakasura. Lui, ce qu'il voulait, c'est tuer Krishna et tous les pâtres et toutes les vaches, parce qu'il savait que s'il tuait les pâtres et les vaches, tous les mères et pères mourraient. Donc il pourrait détruire Vrindavan de cette manière-là. Mais les pâtres étaient rentrés, les vaches, mais Krishna était toujours pas rentré. Donc il regardait tout ça. Et donc Krishna est rentré, il a fermé sa bouche. Et là, les pâtres, hein, par l'arrangement de Yoga Maya, étaient comme morts, quoi. Hein? Il gémissait en fait sur la langue d'Agasura. Et Krishna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a grandi son corps. Et Agasura commençait à grandir son corps. Mais Krishna est plus fort. Et donc, ça concentrait ses airs vitaux à l'intérieur. Et il a quitté en fait son corps. Et son âme, elle n'arrivait pas à sortir. Et elle a percé le crâne d'Agasura. Comme ça. Et elle est restée à l'extérieur. Par ses pouvoirs mystiques, le Seigneur a ouvert la bouche d'Agasura. Hein? Il a réveillé en fait les pâtres et les vaches de la mort et ils sont sortis. Et là, tous les demi-dieux ont commencé à chanter, à jouer des instruments de musique et à faire pleuvoir des fleurs. Parce qu'ils avaient peur d'Agasura. Bien qu'ils boivent le nectar de l'immortalité, ils avaient peur d'Agasura. Donc ils voulaient que le Seigneur, en fait, le tue. Et Brahma lui-même, il avait entendu les gloires de
de Krishna, et cette bataille qu'elle allait être avec Akasura et lui, il est venu parce qu'il n'avait pas foi en Krishna. Après, il y a une autre histoire pour Brahma, on va pas la raconter, hein. Et là, à ce moment-là, tous ils ont vu que l'âme d'Agasura, donc le démon, il s'est fondu dans le corps de Krishna. Mais les associés du Seigneur, les Acharyas expliquent que Agasura, en fait, il n'a pas eu la Saujamuti, la libération impersonnelle. Il a été promu, en fait, aux planètes Vaikuntha, où il a pu avoir un corps comme le Seigneur suprême et être son associé. Hein? Donc, toutes ces histoires-là, si on médite dessus, avec la foi, et que, à travers le Saint-Nom, elles nous sont révélées, alors on pourra graduellement se libérer de toutes ces choses indésirables qui sont dans le cœur. Donc, Shila Bhaktivinoda Thakur, dans Krishna Samhita, explique tous les démons et à quoi ils sont, par exemple, à quoi ils correspondent comme choses indésirables. Hein, par exemple, Putana, c'est le fait de paraître quelque chose, mais d'être quelque chose d'autre, parce qu'elle s'est déguisée. Vous comprenez? Donc, parfois, par exemple, on va voir quelqu'un, lui dit, oh, tu m'es tellement cher, mais intérieurement, on pense, ah, celui-là, alors. Ça, c'est l'anartha de Putana, par exemple. Donc voilà, il y a plein de divertissements là qu'on peut méditer et on peut donc se purifier. Voilà, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est Ekadashi. Donc c'est un jour où on doit. C'est un jour très cher à Krishna, qui est plus cher encore que son anniversaire. Et celui qui observe Ekadashi, il peut véritablement, Krishna est dit, je l'introduis dans ma demeure. Hein. Donc bien sûr, c'est pas facile de suivre Ekadashi parce qu'on ne doit pas manger, boire, dormir. Il faut chanter toute la nuit aussi, etc. Mais on peut, si on n'a pas la force, de faire un Ekadashi strict, comme Sanatana Goswami donc l'explique, et comme Chaitanya Mahaprabhu désirait qu'on le suive. On peut au moins accroître notre service ce jour-là, chanter plus. Hein. On devrait chanter jusqu'à 64 tours au moins minimum. Hein. Et voilà, s'absorber, chanter pour Krishna, etc., etc. Donc voilà, si chacun peut se dédier plus aujourd'hui, c'est une très très bonne chose. Hein. On ne doit pas ce jour-là dormir plus, hein. Critiquer plus. On doit essayer de pas critiquer aussi, pas avoir de mauvaises pensées, etc. On doit vraiment faire un effort. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il y a quelque chose de mystique qui se passe au niveau des planètes, etc. Et la Lune, donc elle agit beaucoup sur tout ce qui est les liquides. Et naturellement, les désirs sont plus forts dans notre être, en fait, dû à ces influences. Et si ce jour-là, on peut contrôler, essayer de contrôler nos sens, notre mental, notre intelligence, alors les autres jours, ça sera beaucoup plus facile. C'est un jour extrêmement qui est difficile, où on peut avoir des choses en nous qui se passe pas que d'habitude on n'a pas la colère des choses qui sortent quoi c'est normal hein. C'est normal mais si on apprend à les tolérer ce jour-là alors les autres jours ce sera beaucoup plus facile c'est pour ça que accomplir véritablement quelque chose de particulier le jour des Kadashi, c'est très 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 important pour notre progrès spirituel. C'est pas un jour ordinaire. Et Kadashi, quelqu'un qui pratique Kadashi d'une manière véritablement avec la foi, alors l'amour de Dieu vient dans son cœur. Hein. Il obtient Krishna. C'est un jour vraiment puissant, extrêmement puissant. On fait pas Kadashi pour être délivré des péchés. Hein. C'est pas notre but à nous les Vaishnavas. On fait Ekadashi pour plaire à Krishna. C'est différent parce que c'est un jour qui lui est très cher. Hein? Hein? Les karmis, les gyanis,
Les yogis, ils suivent Ekadashi pour se purifier. Nous, on suit Ekadashi pour plaire à Krishna, pas pour avoir un bénéfice matériel. C'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça que, comment dire, le Bhakta, lui, simplement, il existe pour le plaisir de Krishna. C'est pour ça que, bien qu'il soit libéré de toutes les règles, quelque part, puisque un véritable Vaishnava, c'est une âme réalisée, il suit quand même les règles, parce que ces règles-là, elles viennent des Goswamis de Vrindavan, elles viennent du Seigneur suprême, et elles plaisent à Radharani. Et automatiquement, en suivant ces règles, il plaît au Seigneur suprême. C'est pour ça que Vishvanatha Charitakur, par exemple, explique, juste un dernier point que je fais, c'est que, par exemple, la voie de l'action intéressée, donc du karma, la voie pour atteindre la libération impersonnelle, le gyan, la voie du yoga pour réaliser l'âme suprême dans le cœur, pour l'atteinte des pouvoirs mystiques, une fois que ce gain, il est atteint, ça veut dire la libération dans le brahman, l'atteinte de Bledhidanik ou l'atteinte des pouvoirs yogis, ils arrêtent de suivre la voie. Ça veut dire que leur pratique leur sert plus à rien. Ils sont situés dans leur réalisation. Mais le Bhakta, lui, bien qu'il devienne une âme réalisée, il continue quand même à suivre la voie parce que cette voie, elle n'est pas différente du Seigneur suprême. C'est ça la différence. Parce qu'il y a une relation d'amour. Et que dans cette relation d'amour, ça veut dire service. Et aussi des rois comme Janaka, Krishna explique dans la Bhagavad Gita, ils ont continué à suivre cette voie pour enseigner aussi les autres. Parce que si un bhakta, parce qu'il est libéré, il arrête de suivre, alors les gens arrêteront de suivre aussi. Donc naturellement, une âme libérée, alors pas tout le temps, des fois il arrive que des âmes libérées, comment dire, oublient toutes les règles, c'est possible aussi, Comme par exemple, on voit même le Seigneur Nityananda Prabhu, il était nu. Il têtait le sein de la femme de Srivastakur aussi, alors qu'il était à un âge avancé. Comme sa mère, il retombait complètement dans l'enfance, parce qu'il s'absorbait dans des lilas. Donc, ce qu'on appelle avaduta, ça veut dire que plus de conception matérielle n'existe. Il n'y a que la conception transcendantale qui existe. Donc, il est possible que certains dévots agissent de cette manière-là. Mais la plupart, quand même, continuent à suivre les règles pour permettre aux âmes conditionnées de pouvoir progresser. C'est très important. Voilà, merci.